est installé le corps de Gabriel Kyungu Akumwanza et où la cérémonie d'hommage est organisée depuis quelques heures maintenant. Vous le suivez sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise. Plusieurs délégations sont venues de Kinshasa, le premier ministre chef du gouvernement, quelques membres du gouvernement ici à Lubumbashi et le premier d'entre les institutions de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont le véhicule est sur vos petits écrans, est en train d'arriver à ce moment ici à Lubumbashi et précisément sur la place du 30 juin ici devant le bâtiment de l'Assemblée provinciale. Le mouvement du véhicule qui va donc s'arrêter un moment avec les comités d'accueil qui s'est donc déplacé pour recevoir le président de la République devant le tapis rouge. Félix Antoine Tshisekedi va dans quelques secondes sortir du véhicule, lui qui est venu pour honorer la mémoire de Gabriel Kyungu Akumwanza. Je vous rappelle que le chef de l'État en couple cette fois-là était venu avec Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame, pour présenter ses condoléances à la famille de Gabriel Kyungu Akumwanza. Pour cette cérémonie officielle d'hommage, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est sur les terres katangaises, les terres louchoises, pour s'incliner devant la mémoire de cette illustre personnalité qui était Gabriel Kyungu Akumwanza. Il va déposer sa jarre des fleurs, comme le prévoit et l'indique le programme. Il dépose sa jarre des fleurs, il va prendre place ensuite. Et la messe sera dite par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur l'archevêque Fulgence Muteba. Et donc le chef de l'État qui est très marqué par cette disparition brutale de celui qui y était un père pour lui, un des 13 parlementaires, une personnalité qu'il connaît depuis la tendre enfance parce qu'il a été dans l'environnement de son feu père, Étienne Tshisekedi, un des 13 parlementaires lui aussi. Le chef de l'État se recueille devant cette mémoire et certainement plusieurs souvenirs lui traversent la tête pendant cette période de trouble des débuts des années 80 où Gabriel Kyungu Akumwanza et Félix Antoine Étienne Tshisekedi wa Mulumba traversaient des moments difficiles. Et là, le président est en train de réconforter la veuve Kyungu Akumwanza et la famille avec. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est arrivé ici pour ses hommages à Gabriel Kyungu Akumwanza. Toujours marqué par cette disparition, Félix Antoine Tshisekedi salue les enfants Kyungu, comme je vous le disais. Il arrive, dès qu'il s'installe, le chef de l'État va donner l'occasion à la messe de commencer, celle qui sera dite pour que Gabriel Kyungu Akumwanza soit conduit à sa dernière demeure. Nous allons suivre le programme que va nous présenter Excellence, le protocole. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents. À présent, nous allons demander à l'assistance de suivre la messe qui sera célébrée en ces lieux avant le mot de la famille et du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ainsi que l'oraison funèbre de M. le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et enfin, interviendra le départ pour l'inhumation de l'illustre disparu en sa dernière demeure. Nous vous remercions. À présent, nous pouvons nous tenir debout pour le début de la célébration eucharistique.
Saint-Esprit, amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant très sincèrement que nous sommes pécheurs.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ton serviteur, Antoine Gabriel Kyungwa Kumanza, notre frère, est entré avec Jésus dans le sommet de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité pour que notre Père, notre frère aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance, accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir.
Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Chapitre 1. Première lecture. La première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or, voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Watu wema, watafurahi, watashangilia mbele ya Mungu.